Et salut tout le monde, c'est SkyXid et on se retrouve dans ce nouvel épisode de Pokémon version or. Et on va faire dans cet épisode, après avoir fait la tour Chétiflore et ne pas avoir trouvé de Nocerapti, on va faire cette arène avec Kaibilus Wilson. Alors... Ah ouais, cache. Juste un S. Montre-moi si tu es assez fort pour affronter Albert. Eh ben écoute, allons-y. Fightons-nous. Oh mon dieu. Un hipster. Non, c'est pas un hipster, c'est un... un punk, voilà. Wilson. Oh, Pierre Fabek au niveau 9. Bah, pistolet à eau. Tu veux pas apprendre genre... Hydrocalon. Non, je déconne quand même, pas à ce niveau-là. Oh, bien. Pic, pic. Ah, il est pas très fort ce Pierre Fabek, hein. D'ailleurs, je vais bientôt évoluer en Crocodile. Hop. Ben. Saperlipopette. C'est impossible. Putain, c'est quoi ça? C'est sérieux? Déjà? Le champion? C'est tout? Mais dis donc, ils sont pas très costauds. Le mot-clé est le cran. Hein, la capacité cran n'existe pas. Ah, d'ailleurs, les talents, est-ce qu'ils existent? Je sais pas du tout. Je sais pas si mon Kaibilus a torrent. Ce d'ici s'entraîne nuit et jour pour devenir maître des Pokémon volants. Allez. Ah non, vous ne dépasserez pas Albert. Et moi non plus. Enfin, vous ne dépasserez pas moi. Ellie, c'est pas un nom féminin ça? C'est pas une femme que je sache. C'est vrai que j'ai pas encore affronté de fille. Vas-y, c'est quoi ce racisme? De toute façon, dans tous les animes du monde, l'homme s'est toujours montré ridicule en étant méchant. Et la femme, c'est waouh, encore pire. Vu qu'on la voit très peu, c'est encore pire. Waouh, presque one shot. C'est dur, dis donc. Oh cool, encore. Bon bah, on va le two shot de nouveau. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que le champion il est? Il aura Piaf avec ou cool, au pire il aura Cornèvre et puis voilà quoi, ça s'arrête là. Non, il aura Hoot-Hoot. Il aura Hoot-Hoot et soit Roucoule, soit Piaf avec. Au pire, je crois qu'il a Cornèvre. Je suis pas sûr, mais je crois pas. Hein. Ça m'étonnerait. Dans tous les cas, ce ne sont que des merdes. À moins qu'il ne se fera petit justement. Alors dans ce cas, il me nargue. Dans ce cas, il me narguerait. Non, et le champion normalement a que deux Pokémon. Ah, Albert! Je suis Albert, le champion d'arène Pokémon de Mauville. Enfin, le champion d'arène de Mauville, tu pouvais dire, c'est plus simple. On dit qu'avec une bonne décharge électrique, les Pokémon volants grillent. Je n'autorise personne à insulter les Pokémon volants, tu veux dire. Pokémon vol. Tu vas subir les terribles attaques de mes Pokémon volants. C'est parti pour Albert! Albert, le champion, veut se battre. Roucoule. Il y a combien de Pokémon? J'ai pas vu. Je sais plus. On va faire pistolet à eau puisque je touchote un niveau 7. Le pire champion que j'ai jamais vu. D'ailleurs, grâce à ton Roucoule, je vais évoluer. Yeah, monte au niveau 16. Et du coup, j'évolue. Roucoups, c'est tout. Bon bah, adieu. Vu comment j'ai niqué le Roucoule, je suis désolé, mais ton Roucoups, il va pas être mieux. Ah si, trichote quand même. Tornade. Ah mais si j'évoluais en Crocodile, t'étais mort. T'as de la chance qu'il évolue qu'à la fin du combat, hein. Parce que si c'est comme dans l'anime où il évolue pendant le combat, t'es mort. Bah là, concrètement, Crocodile aurait beaucoup plus d'attaques et ouais, il aurait fait un malheur. Le seul problème des starters de Johto, c'est qu'ils sont au feu plante pur jusqu'à leur troisième évolution. Ils ont jamais de double type. Ça, c'est dommage. Bah, Alligator aurait pu être aux ténèbres. Bah ouais. Albert a perdu!
Zut de flûte, les Pokémon adorés de mon papa. Très bien, prends ceci, c'est le badge Zephyr officiel de la Ligue Pokémon. Yes! Une partie est en oui à un moment, comme d'habitude. Yes. Augmente l'attaque des Pokémon en plus, tu vois. Et permet aussi aux Pokémon d'utiliser Flash une fois appris. Prends ça aussi. C'est quoi? Aéropic, non? En utilisant une CT, les Pokémon apprennent une nouvelle capacité. Réfléchis bien avant d'agir. Une CT ne s'utilise qu'une fois. La CT 31 contient... Coup de boue? Mais quel rapport avec les Pokémon vol? Coup de boue? T'as pas Aéropic? Elle réduit la précision de l'ennemi et lui inflige des dégâts. En d'autres termes, c'est à la fois offensif et défensif. N'importe quoi. N'importe quoi, cette arène. Bon. Eh bah écoute, c'est fini. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Beau combat, ne lâche pas prise et tu deviendras sans problème un sacré champion. Ah, j'attends le combat avec Peter avec impatience. Ah! On me donne le... Oui, on me donne l'œuf. On me donne l'œuf de Togepi. Allô? On a trouvé quelque chose sur l'œuf. Mon assistant est au centre Pokémon de Mauville. Pourrais-tu lui parler? Je pense que d'ici Doublonville, j'aurais fait éclore l'œuf. Ouais. Donc il ne combattra pas pour... Ouais, c'est bien. Togetic, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. J'aurais préféré Togekiss, mais bon, il n'existe pas encore. Ça faisait un bail. Le prof Orm m'a demandé de te retrouver. Il a une autre faveur à te demander. Prends-tu l'œuf? Yeah. Donc évidemment, j'affiche pas l'œuf sur le layout. On a découvert que pour éclore un Pokémon doit grandir dans l'œuf. Il doit aussi être avec des Pokémon. Ah oui, c'est le tuto sur les œufs. Avec des Pokémon actifs. Malheureusement, il me faut un Volcaropode avec corps magma en fait. Corps ardent. Ou Armu magma. C'est Armu magma, je crois. Avec des Pokémon actifs pour éclore Magmar. Magmar, je prends. Tu es la seule personne sur qui nous pouvons compter. Appelle le Proform lorsque l'œuf aura éclos. Ce sera un magnifique Togepi. Salut. Allons-y. On va peut-être acheter des Pokéballs, non? Le shop, il est juste à droite, à gauche du centre Pokémon. Parce que maintenant, j'ai accès aux ruines alpha. Sauf que aller à gauche, ça sert à rien, il faut descendre. Puisqu'on doit aller à Ecorcia. Et pour y aller, il faut passer par les caves jumelles, là où je vais enfin trouver mon Oserapti. Parce que c'est intéressant, Oserapti, quoi. Ne s'en faire dans cette génération, c'est puissant. Après, à partir de la troisième génération, il y a les Dratak et compagnie qui le surpassent totalement. Il sera outspeed depuis longtemps. Bah, il y aura Scorval aussi, par exemple. Bienvenue, en quoi puis-je t'aider? En quoi puis-je vous aider, madame? On va acheter... 5 Pokéballs. Est-ce que les Honor... Non, les Honor Balls n'existent pas avant la 3G. 5 Pokéballs devraient suffire. Quelques potions. On va prendre 10. Non, on va prendre 5. Je prends 2 cordes sorties. Et voilà, c'est bon. Je suis paré. Quoi là-dedans? Tout plein de trucs Pokémon. Ok. Eh ben écoutez, on descend. Oh, une baie. Je veux. Baie anti-par. Anti-par, hein, bon. Normalement, c'est les noix grumes. Allez, c'est parti. Donc là-bas, on a les ruines alpha. On peut pas y aller. Ça sert à rien. De toute façon, on n'ira jamais. Un dresseur. Ah, c'est pas un dresseur. Ah, y a pas la CT coup de boule. Quand tu fais coup de boule dans les arbres, que t'as des Pokémon genre Coxie et compagnie. T'as de bons Pokémon, tu sais. Ils ont dû s'entraîner autour de vos villes. Les combats dans l'arène t'ont donné de l'expérience, non? En souvenir de Mauville, accepte ceci. Cela améliore les capacités du type plante. Grand miracle. Ça sert à rien, moi je veux au mystique. C'est ça qu'il me faut. Tu dis à Mauville, ce sera monsieur. Ok, d'accord. Donc c'est lui qui donne coup de boule, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je pense qu'on a Coxie. Vous êtes sérieux? Et d'ailleurs, il évolue pas, hein. Je crois que c'est niveau 17. Hein. Fuite. Tiens, c'est bizarre, j'ai le texte après le son.
Ah, dresseur! Ah oui, il faut coupe pour aller là-haut. J'ai pas encore de quoi coupe. Parce que Flash, on en a besoin pour les caves jumelles. Bah justement, coupe, c'est juste... Bah, c'est Hector qui donne coupe, je crois. Je t'ai jamais vu, toi. Tu te prends pour un crack? On va voir ça, hein? À quoi? Oula! Pas compris. Roméo veut se battre. Où est Juliette? Ratata, on sait comment le battre. Pistolet à eau! Je vais te noyer, sale rat! I am the deratiseur. Deratatatisateur. Oh mon dieu, ce nom. Deratatisateur. J'avoue. Allez, c'est qui le deuxième? Vas-y! Je le veux! Il n'était pas à la tour Cityflore, il n'y avait que des ratatas. Non! C'est moi qui dois axer. Oh, j'aime bien les canards jaunes. Réussi, 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 réussi. Oh oui! Bravo! Si je pouvais te caresser, je le ferais. Bien! Donc là, je peux pas y aller. Ah, ne sera petit s'il vous plaît. Non. Bon, on fuit. C'est pas la peine de le faire. Ça sert à rien, vous voyez bien. C'est bizarre quand même que le son de la fuite vient avant le dialogue. Ah, il fait nuit. Ah oui, il y a le cycle jour-nuit, c'est génial. On va faire le dresseur. Ah ah, ouais. Vers midi. Quoi? Combat, je suis au tel. Bon d'accord, mais rapide. Oh, putain. J'aurais dû faire la voix. Quoi? Un combat? Ah ouais, bah écoute, on va se dépêcher, hein. Allez, Nidoran, tu peux l'affronter. Putain, cette voix, quoi. Oh, mais pourquoi j'ai fait ça? Ah, t'es type sol, toi. Allez, dégage. Ouais, bah fallait pas être type sol, hein. Ah, c'est même pas super efficace. Attends, il est type sol. Il est type sol quand? Il est type sol à partir de Nidorina ou pas? Non, il est type sol avant, je crois. Je sais plus. Je sais plus quand est-ce qu'il gagne son type sol. Ok. Liz a perdu. T'es content maintenant? Ah ouais, je suis trop content. Non, je suis content. Ah, un item. Et là c'est un Voltorb. Pas un Voltorb non plus. Quoique Voltorb ça serait pas mal dans mon équipe. N'oublions pas qu'on n'a pas encore la 3G. Donc Voltorb pour l'instant c'est... Ça peut être pas mal. Attends, je vais affronter les pêcheurs. Ouais. Ah oui. C'est pas ici qu'il y a le fameux pêcheur Zachary là qui a Zachary qui a les Magikarp. Le pêcheur au Magikarp. Ou alors le... Non. Le pêcheur des Magikarp, il est au lac Colère, je crois. Axoloto, Marest... Ah, Marest, c'est intéressant comme Pokémon. Concrètement, ça me ferait deux Pokémon eau, mais ça me ferait surtout un Pokémon sol. En plus... Ça me ferait deux Pokémon eau, certes, mais il est de type sol, Marest, donc il craint pas l'électricité. Je prends. Griffe, on va tenter de ne pas le tuer. Ah, un PV. Oh, heureusement que j'ai pas crit, parce que putain, je serais devenu fou sinon. Allez, Pokéball. C'est pas cette poche là. Ball, j'en ai 11. Oh, j'ai bien fait d'en acheter parce que j'en avais que 6. Allez, rentre. What? Elle s'est détachée la Pokéball. Je croyais qu'elle ne pouvait pas. Allez, allez, allez. Oui. Ah, un Axoloto. Rien à voir avec Axolot. J'aime bien Axolot. Oh, pourquoi c'est noir? Ce Pokémon vit en eau froide. Il sort de l'eau pour se nourrir quand il fait froid à l'extérieur. Un sur... Bah oui. Tiens. Je sais comment on va t'appeler. Pas d'originalité. On va l'appeler Walter. Parce que Water avec un L.
Tu vois, c'est water avec un L entre. Oh, le jeu de mots. Le jeu de mots. On va aller le soigner quand même. Parce que bon, il faudrait bien qu'il apprenne à se battre maintenant. Moi, j'avoue que Marès, c'est pas mal. Parce que du coup, je pourrais pas dire que ma team est faible face au type électrique, vu que lui, il est type sol. Donc au final, c'est une chance. J'ai bien fait de le capturer. Et il me faut toujours Nosferapti. De toute façon, Nosferapti, c'est MVP contre Hector. Bah, type vol supérieur au type insecte. Et en plus, vu qu'il... Bah, s'il évolue assez vite en Marest, il sera type sol, et donc il sera encore plus fort face au type insecte. Donc c'est tout bénef. Alors, on va aller au centre Pokémon. Ah, c'est en bas. Allons-y. Allons-y. C'est parti. Direction cave jumelle pour aller attraper notre premier Nosferapti. Ou plutôt Pokémon volant. Ce qui serait utile parce que bon, vol c'est quand même... c'est un petit peu intéressant quoi. En termes d'attaque, en CT, vol c'est pas ouf. Mais ça peut être intéressant. Surtout qu'on en a besoin pour voler. On va affronter les pêcheurs. Tiens, on va le tuer. Oh, attendez, j'ai un Pokémon KO. Hein? Ah oui, c'est vrai, j'ai un œuf. Mais genre, ils le considèrent KO en mettant une croix dessus. Ils auraient pu tout simplement ne pas le faire apparaître. C'est chelou. Donc j'aurais un Togepi qui sera... Attends, Togeti qui les vole. Je crois. Donc il peut utiliser vol aussi. Mais j'aurais quand même mon Oserapti ultrason. Évidemment. Ou une folie. On verra. Je sais pas. Ectoplasma ou pas? Non, pas Ectoplasma. Non. Ouais. Du coup. Bah, on le tue. Je veux évoluer. D'abord, on fait évoluer en crocodile. Et après, on. Bon. On s'occupe d'Axoloto. Ah, t'es sérieux? Pêcheur. Mais Pokémon, frais du matin pêché. C'est toi là, c'est toi le Zachary avec tous les Magikarps là? Non, Loïc. Ah, petit art. J'avoue que Tarpo ça aurait été pas mal. Ah oui, mais non, Tarpo faut faire un échange. Donc c'est de la merde. Il me semble que Caminus évolue au niveau 18. Erisand, si je me souviens bien. Non, Erisand c'est niveau 18 et niveau 34. Et les deux autres c'est niveau 36. Je crois. Meganium c'est pas niveau 35. Je sais plus. Ah, Wilson monte à niveau 17. Évolue s'il te plaît. Tard encore, non, change pas. C'est vrai que j'aurais pu faire intervenir Axoloto, mais le mieux serait été de faire des combats contre les Pokémon sauvages, parce que là il est clairement pas assez fort, à moins qu'il donne le multi-exp, et j'espère. Hypnose, non. Oh merci, ça a raté. Bon allez, j'évolue maintenant. Splash. Ah, l'émission n'existe plus. Non, c'est niveau 18 là, Caminus. Eh, hey, tu m'as fait perdre mon poisson. Quoi? T'avais un Remoraid? Non, un Magikarp. César. Oh, c'est lui, je crois. Oh non, c'est lui. Attends, il a que Trempette à ce niveau-là. On va envoyer Axoloto.
Oh non, il a que pistolet à eau, c'est nul. Pourquoi t'as pas charge? Et d'ailleurs, je sais que Axolotl peut prendre Dynamo Point. Axolotl n'a pas de bras. Tellement vrai. Oh mon dieu. Bon, ça va, il fait que trempette. De toute façon, s'il a plus de trempette, il utilise lutte et il se tuera. Donc, ouais, mais bon, lutte, ça attaque. Donc, faut être prudent. Mais ça enlève trois quarts de ça enlève les trois quarts de ta vie, je crois. Je sais pas. Dites-le-moi dans les commentaires pour la génération 2. Ça enlève combien lutte de sa vie? Je crois que ça enlève les trois quarts. Hein. Non, pas le. Non, c'est pas le tiers plutôt. Je crois que c'est le tiers. Allez, fais-moi des coups critiques. Ouais. Ce combat est palpitant. J'en tremble d'excitation. Non, en fait, je m'emmerde terriblement. Mais au moins, je vais pouvoir le faire up, mon Walter. Ma Walter. Putain, c'est une fille. Ah, j'ai pas vu. Non, c'est pas grave. Walter, quand même. Oh, yeah. C'est quoi ce peu d'XP que tu gagnes? Non. Il a que des Magikarp. Donc, faut pas s'en priver. C'est du free XP là. Free level up. Allez. Ah, oh, tu veux pas apprendre autre chose que pistolet à eau, Mimikeu? À la limite, je peux faire Mimikeu pour baisser sa défense et après le one shot, mais ça sert à rien. Vaut mieux faire pistolet au direct. Ah ouais, mais non, mais je vais être pépestole. Ouais, ouais. Il est en train de me pépestole en fait. C'est pas grave. Sinon j'enverrai Kaminus. Surtout qu'il en a 4. Ouais, et on est qu'au deuxième. D'ailleurs, il est plus rapide que moi, hein, le Magikarp. Corp, Magikarp. Ok, je vais utiliser Mimikeu, très bien. Pas le choix. Type O contre O, ça fait résistance. Oi, oi, oi. Magikarp. Oh là là, mon dieu. C'est pas Zachary, mais... Dresseur aussi Magikarp, c'est Zachary, je crois. Zachary, je sais pas comment on l'appelle. Non mais César, quoi. Rendons à César ce qu'est... César, il est niveau 15, lui? Quoi? Oh, aïe, 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 aïe. J'avais pas remarqué qu'il était niveau 15. Ça va, on le tient. Il nous enlève que 6 PV. Et il fait trempette. Bon, on peut le mettre à moins 6 pour que Walter le mette KO. Possible. Charge. Non. J'ai fait trop de Mimikeu. Mais là au moins il est en moins. Je crois qu'il est en moins 6 là. Potion. Et là, il est temps d'attaquer. Trempette. Quel combat passionnant. Aïe.
crie pas, s'il te plaît, crie pas. Oh mon dieu, allez, ça sert à rien. Pokémon, à ton tour, Wilson. Putain, mais... S'il te plaît, Axolotl, apprends autre chose que des attaques hauts. Ah oui, c'est vrai, j'ai coup de boue. Ça peut être... Ah bah, coup de boue, en plus, je crois qu'il peut l'apprendre, vu qu'il devient de type sol. Ok, on va lui apprendre ça après. Bah, il m'est mis que, il est en moins 6, normal. Évolue! Non! Magikar. Oui, Axolotl revient. Walter! Ah, pas niveau 15. Oh, il est niveau 5. Celui-là, tu peux le faire. Putain, mais... Tu gagnes tellement pas d'XP, mon gars. Allez, on le met à moins... Je le mets à moins 3. Et après, on le tue. Donc là, il a moins 2. J'avais oublié que mon attaque, elle tape en spé. Donc ça sert à rien ce que je fais. Mais attends, on a la séparation des attaques dans cette version? Je sais pas. On va essayer. Enfin, je vais voir. Après. Ça m'étonnerait. Oh mon dieu, Magikarp attaque trempette. Axolotl, pistolet à eau. Magikarp attaque trempette. Axolotl, pistolet à eau. Magikarp attaque trempette. Oh mais il est mort. Ah, coup critique! César a perdu! Splash! Fou, ce fut laborieux! Très laborieux, franchement! Oh non! Allez! Mais si! C'est pas lui qui a un Noctiri? La différence entre un bon et un mauvais pêcheur? Combat! Eh, c'est vrai ça d'ailleurs! Y'a pas un pêcheur qui me donne la canne ici? Lazare. Point sirène. Ah non, lui il a pas Octiri. Niveau 10. Bah Wilson, hein. Ouais, effectivement. Pourquoi pas. Bon, bah un crocodile, ce sera pas dans cet épisode, hein. Dommage. J'aurais bien voulu. Mais non. Bon, c'est pas grave. Ma défense a baissé. Oh mon dieu. Je vais apprendre coup de bois avec Axolotl. Je vais au moins le faire participer, qu'il gagne un peu d'expérience quand même. D'ailleurs, vu qu'on peut faire tenir les objets, j'espère qu'ils vont nous donner le multi-ex pour que je le donne à Axolotl. Je t'aime pas. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ça va bien? J'ai trouvé un bel objet à acheter, alors j'ai dépensé tes sous, désolé. C'est dans ton PC, ça va te plaire. J'espère que c'est une potion ou un truc comme ça. Je sais plus ce qu'elle donne. Je crois qu'elle donne des baies. On verra. Là, il y a un PC. Ouais, un PC. Un centre Pokémon tout proche. Il y a d'abord ce dresseur. On va... Pokémon. On va quand même le faire et aller au centre Pokémon de des caves jumelles. Walter, ordre, tu vas en première position. Et c'est parti. Ah, en dessous, il y a le mec qui veut un million de Poké-Dollars. Pour une cuillère, je crois. Alors, Momo.
C'est Momo. Axoloto niveau 10. Axoloto contre Axoloto. Quel combat de ouf. Ah non. Changer. Mimique. Comme par hasard. J'ai oublié d'apprendre coup de boue, on va le faire après. Oh, je le trichote. Ah, coup critique. Oui, coup critique, c'est bien ça. Walter niveau 7. Yes. Et Momo a perdu. Et bah ça alors. Toi t'es pas un dresseur, non. Eh hey, petit, ça te dit une bonne cure à Molos. Je te fais un prix, 1 million. C'est pour toi? Non, c'est 1 million, c'est au-dessus. C'est largement au-dessus de. C'est largement au-dessus de la monnaie du jeu maximum. T'en veux pas? Dégage. Wow. Méchant. Super Bowl. Voilà, on arrive ici. Alors, les caves jumelles, c'est juste là. Oh merde, c'est un dresseur. Non. Ce badge, Yann Moville, t'as battu Albert. Oh merde. Joe. Trop cool. Aïe, 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 aïe. Là, par contre, on peut faire pistolet à eau, c'est efficace. Ça va. Mais il faudra quand même switch. Pas le choix. Il fait à peu près les mêmes dégâts que moi. Il me fait combien de dégâts? Ah, il fait... Waouh. Il fait 6 de dégâts. Alors... Est-ce que j'encaisse le prochain coup en sachant que ça peut peut-être être un coup critique? Ouais, on essaye. Pas de coup critique, s'il te plaît. Ok, c'est bon. Il faut savoir oser dans la vie, les gars. Allez, Pokémon, on switch sur Wilson et on dégomme ce seul prix de recall. Charge. Griffe. Adieu. Ah, peut-être évolution de Wilson. Non. Trop cool. On va rester sur Wilson. J'espère qu'Axoloto gagne encore de l'XP. Pistolet haut. Allez, le stab. Fais ton boulot. Je parie qu'il a un piaf avec derrière. One shot. 70. Ah, niveau 18. Là, je vais... Par contre, là, je vais évoluer. Obligé. Piaf avec. Non, j'en étais sûr. On va quand même faire rentrer Axoloto, histoire qu'il puisse gagner de l'XP un peu. Qui gagne un peu d'XP quand même. Voilà. Il a fait une petite entrée remarquable et il va direct sortir pour repasser sur sur Wilson. Qui gagne un petit peu d'XP en fait. Ouais, je crains rien, je crains rien. Maintenant que j'ai un crocodile solide, concrètement, ce sera plus facile d'XP les plus petits niveaux. Merde, j'ai fait quoi là? J'ai fait griffe. Non, j'aurais dû faire pistolet à eau. Bon, c'est pas grave. Ok, donc voilà, c'est bon pour le... C'est bon pour lui. J'allais dire Picléron. Non, 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 c'est bon pour Piaf avec. Non, Picléron, c'est la 7ème génération. On n'y est pas encore. Largement pas. Yes. Crocodile. Pourquoi c'est en noir et blanc? Pourquoi il garde pas la couleur? Yes. Yes! J'ai un crocodile! Bon, Wilson, hein, il s'appelle toujours. Voilà, alors il n'y avait pas un truc ici? Non. On va apprendre coup de boue avec Axoloto et soigner nos Pokémon. Hop, alors. Où c'est? Alors, coup de boue. Ah,
Ah, ils sont tous aptes. Ok, Walter. Yes. Et tiens, tant qu'à faire, tu vas apprendre Flash. Parce qu'il va y en avoir besoin dans les caves jumelles. On va se mettre là devant. Et vous allez voir que dans le prochain épisode, on va rentrer dans ces caves jumelles. Je vais sauvegarder, tiens. Voilà. Eux, ils remplacent. Ah, c'est bien. Que de captures dans cet épisode. Bon, on a eu un axolotl seulement, mais bon, c'est déjà pas mal. Et une évolution aussi, on a eu Crocodile. N'est-ce pas magnifique? Allez. Pour ce, sur ce, on va se donner rendez-vous dans le prochain épisode. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et n'hésitez pas à vous abonner si vous en voulez toujours plus. Et moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour les caves jumelles. Sur ce, bye tout le monde !